Bah, oublie les couleurs, peut-être pas en fait, parce que ça va tout à fait. J'aime bien. J'aimerais bien que les mecs aient raisonné comme ça. D'accord. Alors, Dorilis, tu penses que les cartes 1-2, je les ai eues pas loin de l'arbre? C'est pas la zone que je préfère. Hein. Donc, y retourner, c'est. Bah, j'y suis pas loin en plus. Et bah bon cours, bonne chance pour le cours d'anatomie. Et bonne nuit. Ah! Ça m'énerve ça. Salut. Alors, si on suit, on va dire. Je pars du principe que c'est le bord. Que c'est le bord rose là. Quelle rose? C'est le rose de quoi? Quelqu'un arrive à m'identifier un. Je devrais aller dans quelle zone de jeu si je suis mon raisonnement que c'est ça? Ah par contre, tiens, je vais tester un truc. Treize, quatorze, quinze. Non, il me le remet là. Je vais tester un truc. Auquel cas. Non, c'est toujours la même zone ça. Je suis en train de tester un truc. Ce serait un indice très drôle. Voilà, c'est pas un indice. Veau niveau couleur, mais c'est une blague. Sérieux, le veau, il est haut. C'est pas rose. Après, c'est vrai que le rose, c'est les théâtres. Éventuellement, les théâtres, c'est la couleur. Ça, c'est la couleur la plus ressemblante. Si je suis, j'ai dit que c'était rose. Ceci dit, examinez ce rose-là. Ça, c'est un rose qui ressemble vachement plus au théâtre. J'ai l'impression. Va falloir que je me lance, de toute façon. Je vais aller dans un théâtre, mais je suis pas archi convaincu, hein. Alors, je suis allé trop ici. Oui, non, je vais pas cliquer sur lien. Un, j'ai pas envie de me spoiler. Puis deux, ça vous couperait la musique. Et je m'y refuse. Ça, j'ai pris ici, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, ouais. Je m'en rappelle. Ouais, c'est celui que j'ai. Ouais, je l'ai pris celui-là. Je l'ai pris celui-là. Le deuxième rose serait plus les théâtres, moi je pense. Ou alors il y a. Non, il n'y en a pas trois par théâtre, c'est juste pas possible. Ça a l'air de. Ouais. Ouais. Ça doit être. Certains doivent avoir un. Pour le coup, un petit plaisir sadique dont certains m'ont soupçonné tout à l'heure. Parce que. Voir quelqu'un galérer alors que toi tu sais où c'est, tu t'éloignes, tu. Aïe aïe aïe. Ah, mais c'est l'enfer ce truc-là. Mais l'idée de se déplacer avec son propre pouvoir, d'avoir une colonne centrale en guise de hub. C'est plutôt rigolo. Alors c'est encore la forêt ce machin. Ouais, c'est la forêt vraiment chiante. Je vais pas retourner dans la forêt.
Là, j'ai déjà terminé le jeu hier soir pour ceux qui arrivent. Là, il me reste une carte à trouver. Et je. Bah, je me rappelle pas du tout, je les ai eues, quoi. Bah, je me rappelle pas du tout, j'ai eu les cartes. C'est les 30 et 31, les dernières que j'ai eues? C'est 30 et 31? Je me rappelle pas du tout. Quelqu'un se rappelle où j'ai eu la carte numéro 30? Je me rappelle pas du tout, moi. La carte 30 et 31, c'est les dernières. Ouais, je me rappelle, c'est effectivement la 31, je l'ai eu très tard. Avec cette espèce de verre dégueulasse, là. Ah bah me revoilà au veau d'or. Bon, je peux refaire un petit tour au veau d'or, hein. Enfin, ça coûte rien. Allez, réveille-toi! Ah, le vilain, il se réveille pas. La 30, c'est la course. Oui, c'était ça, effectivement. Oui. Moi, je me rappelais que c'était la course, mais je me rappelais pas que c'était plutôt c'est le contraire. Je me rappelais pas que c'est la 30. La 30, c'est la course, donc c'est du espèce de bleu. Et la 31, le verre dégueulasse. Moi, je vais y aller, je vais examiner ça de près. Bah si c'est ça, sans aucun pouvoir particulier, c'est-à-dire que je suis passé devant, enfin. Bah ouais, la 1 et la 2, mais c'est déjà pour la théorie des couleurs. La 1 et la 2, je me rappelle pas du tout, je les ai trouvés très tard. Ce qui est très surprenant, ça. C'est par zone, donc c'est pas forcément pas. Faut peut-être des super pouvoirs pour la choper. C'est juste la zone. C'est juste la zone, ça peut être une zone de départ. 1, 2, 3, enfin naïvement, bon je vais faire ce que je pense être le plus logique. Je retourne à la zone de départ, c'est juste que je l'ai fouillé. La zone de départ, donc. On verra bien, mais c'est. Saleté de liane. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être un truc visuel, je suis mo bah, repéré. Fin. Pourquoi ça fait du bruit ça? Je pense que oui, je pense qu'il sait en fait, elle est pas. Elle est dans une zone de départ. Attends, je vais essayer de cramer. Ah! Ah, flûte! Bon, tant pis. Je vais essayer de la choper d'ici.
J'en ai pas trouvé 3 ici, ça c'est sûr. On en a trouvé que 2. Alors. Il y avait cette bibliothèque là. Qui était très sympa. Salle magnifique au demeurant, mais je peux pas aller en bas. Alors, il y avait celle-là, mais ça c'est déjà pris. Non, je me rappelle pas où j'ai trouvé la 1 et la 2, c'est par pur. Là, je tente du. Hier, j'ai abandonné de la. J'ai essayé de la prendre et j'ai abandonné. Alors, c'est pas dans la zone là, ça c'est clair. Donc, Serge, je l'ai trouvé déjà. C'est juste. Dans ma tête, en fait, j'ai dû la prendre. Alors que c'est pas le cas. La 1 et la 2, c'était vers l'arbre. C'est pas du tout logique, mais... Tableau Excel, ouais. Peut-être les petits ennemis là-haut, je l'ai raté. Merde. Je suis un peu perplexe là. Ah putain, j'y ai presque cru, je savais plus ce qu'il y avait ici. Putain, mais c'est ouf, sérieux quoi.
Bonne nuit. Putain. Mais... Il y a une... Ah, ça pourrait être la petite salle là-haut. Il y a une petite salle aussi. Merde. Ah merde, putain. La musique, vraiment Falex. Tain, si elle est là, je vais bien rire parce que c'est vraiment la musique qui m'a trop. Que j'adore, mais qui est assez décalée quand même. Ah non! Putain, je sais même. Ok, donc ça, je me rappelle. Ah, merde. Ah, fuck. Ça saccade un petit peu chez toi, ouais, je... Mais celle-là, j'ai réussi à la prendre hier. Non, c'est pas là. J'ai réussi à prendre ça hier, mais c'est pas ça. Je me rappelle plus de ça, tiens. C'est ouf, sérieux quoi. C'est pas vrai ça. On reprend la petite musique. Oh, non, non, c'est pas là. Celle-là, je l'ai prise. Ah ouais, mais celle-là, c'est la même que l'autre, me semble-t-il. Ça, j'ai déjà pris.
Ça, j'ai déjà pris. Je vais aller à la petite salle. Je sais plus. Je sais plus trop où elle est, la vilaine petite salle. Ah bah c'est ça. Il y a cette fameuse salle. Mais comment j'y suis allé d'ailleurs? Comment c'est possible que j'y sois allé? Avec une TP peut-être. Ouais. Ok. Je pense pas avoir fait ça ou alors. Je sais plus si j'ai fait ça. Putain la vache. Oui. J'avais essayé ce truc là, mais je me rappelais que j'avais réussi. Je suis repassé effectivement de l'an et après, je me suis dit, tu vois, ça c'est très drôle parce qu'à la fois je me rappelais, ça vous paraît très paradoxal comme souvenir, c'est que tout à l'heure quand on est repassé devant, je me suis rappelé que j'avais essayé. Je me rappelais que j'avais réussi, mais je savais plus comment. Lolilol, comme c'est pareil. Ah, on peut pas repasser, je suis obligé de repasser par le passage affreux. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé de repasser. Ok. C'est l'affaire de 3-4 essais. C'est ce que j'ai dit effectivement. Ok. Non, c'est pas demain pour ma part. Non, c'est... c'est bientôt, j'essaie d'avoir un peu d'avance, on le tourne pas tout de suite. Oh la vache. Non, j'espère que... Mais c'est reparti, vilain boss. Oh là là, je suis déjà complètement éteint, moi.
Oh putain. Je suis jamais mort comme ça. Ah putain. Alors ça compte pas comme un essai, hein, ce que je lisais le chat, mais... Ok, deuxième essai. Putain, c'est pas vrai. Putain, je suis un peu fatigué là. À faire que lire en fait, mes réflexes sont un peu émoussés là. Ok. Non, oh là là, je sens que ça va... Putain. Oui, je fais plein de choses dans la vie, mais c'est vrai que c'est Speed Game qui est mon activité professionnelle au sens. Putain, il fait chier. Alors, je pense pas que je vais sortir les fast strats là. En plus peut-être il y a... Ah putain, s'il sort en plus il est... Ah, ils vont pas forcément faire une transformation supplémentaire. C'est en mode un petit peu, voilà, c'est bon. Allez. Allez, 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 on se concentre un petit peu là. Allez. Nickel. Je suis en train de trembler quoi. Pas de peur, mais c'est juste que je suis crevé. Allez, fais-moi ta petite bibule. Voilà, le passage le plus dur maintenant. Je fais quoi du reste de mon temps? De l'administratif, tout le travail, Nesblog, l'administratif, gestion, business, tous les trucs casse-couilles. Plus les conférences dont c'est le Stunfest en tant qu'organisateur, ou modérateur, ou intervenant selon les cas. Plus beaucoup de streaming en fait, en relation ou pas avec Speed Game. Plus des émissions, des futures émissions, une émission de jeux de société. Je pourrais vous faire un brief à la fin. Différents projets dans lesquels je suis impliqué, si vous voulez. Vous allez voir que le temps, en fait, j'en manque. Thank you.
Ok, bon. Deuxième, c'est assez easy aussi, théoriquement. Allez. Je vais faire une pause gâteau sinon, parce que je vais vraiment... C'est un peu compliqué, là. Je tremble. Je... Voilà. Voilà qui est fait. La bulle, ici. Ok, bon, c'est maintenant. Now it's time. It's real business. Oh putain, le blaireau, mais c'est pas vrai, deux fois la même erreur, quoi. Putain. Ah oh, là 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 là. Quel con, je suis mort d'une manière trop bête en plus, c'était chiant. Je me rapproche pour me faire choper par la bulle très tôt. Pas strat. Ah là là là. C'est pas vrai, malédiction. Bon. À la face un petit peu sérieuse, la fameuse troisième phase avec le putain de mâchoire qui est rapide. Putain, mais je suis con, c'est pas vrai quoi. Oh là 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 là. Le logo, c'est ça, c'est un logo 88 mph. Faire une pause discussion à un moment parce que de toute façon je le voilà, je suis obligé là, je peux pas vous laisser en point comme ça, je vais le vaincre, je vais juste crever là, enfin, des... celui-là j'y arrive, je le maîtrise parfaitement, celui-là c'est vraiment débile, pourquoi j'arrive pas le troisième, c'est un peu plus chaud au niveau du timing mais... c'est la même chose quoi, juste panique, donc je dois bouger trop tôt là. Quelque chose dans le genre, c'est vraiment lourd. Allez, fais ton truc, parfait. Allez. Mais putain! Mais merde! Pourquoi je m'arrête une frame le moment où le truc arrive, je me fais dégommer, ben oui, oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Si je comprends pas, je m'arrête parce que j'ai voulu être... Pff, oh là là. Oh. Mais au début, il n'y a pas de soucis, quoi. C'est vraiment vexant, quoi.
Mais en plus, il y a un safe spot pour ça. Bon, c'est un détail. Ça. Allez, on est reparti pour la deuxième phase. Voilà, et on fait le coup, TP, le troisième au centre, cette attaque que je connais par cœur. Voilà, tout se passe bien. J'ai l'impression. Non. Je sais même plus à quelle phase je suis tellement je. Tellement j'en fais. Sérieux. La fameuse phase. Allez. Et on a les violons en plus là. Ça monte. Foirer sur des trucs simples. Fais-moi ton. Tu sais ce que je veux. 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 Et voilà. Oh là là. Ah. Putain, mais il peut plus bouger ses fesses, ses petites fesses hein, quand il. Je peux même plus le poser. Ah bon bah. Ah, je peux même plus sauter. Les boules. Il jette pas la couronne. Il devient le roi. Ah, on va pouvoir revenir. Bah voilà. Bye, on va pouvoir revenir en arrière. On va retrouver. Eh oui, c'était le tout début du jeu, on pouvait pas y retourner. Je
juste voir ce qu'il y a. Pardon. Ah, les habitants sont contents, ils font une petite sanette du roi, de moi qui défonce le roi. Et oh, c'est trop mignon. Bah oui. Ah ouais, elle défonce bien la vraie fin du coup. Bah ouais. Oh, ça ressemble à ma maman, ça. Et là, j'ai le New Game Plus, c'est ça, j'imagine. Je sais pas ce que ça donne le roi, la couronne en termes de gameplay, nouvelle partie. On va regarder le pouvoir que ça donne, tiens. Ça se trouve ça donne rien, ça veut juste dire que c'est du New Game Plus. Écrasement, partie sauvegardée. Ah non, je veux pas. Bon. Bon bah, si les streams sont agréables, tant mieux. C'est le principe. Je pense encore refaire quelques... Mon habillage est terminé, là, mais je vais refaire une scène supplémentaire. À la base, j'avais fait une scène... full screen pour intervertir, mettre mon visage plutôt en plus gros quand vraiment il n'y a plus de jeu, quand je discute simplement. J'en ferai une, mais c'est juste que voilà. Alors... Alors... Capuche, symbole de la dynastie. Non, c'est très mignon comme... Alors... Alors, comment tu fais pour le cadre? Comment je fais pour le cadre? Bah, en fait, j'ai différents éléments, en gros, qu'on m'a fait. Et puis après, je les positionne un peu comme je veux. Je fais différents cercles.
Ah. Je vois que ça parle de Tesla Grad. Alors, faire une copie de la sauvegarde pour tester le NG+. Ça se trouve dans Application Data. Mais pourquoi je l'écraserais? Parce que j'ai qu'une seule chance? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pour le New Game Plus? Parce qu'a priori... J'ai une nouvelle partie, si je fais ça, ça écrase... Ça a l'air d'écraser ma... Qu'est-ce qui se passe si je... Ah, je vois pourquoi, ouais. Sinon, tu pourrais faire à partir d'une seule sauvegarde. Tu pourrais faire autant de New Game Plus, c'est ça. Le NG+, c'est charger ta partie. Donc là, je peux charger, je peux mettre écraser, c'est ça. De toute façon, maintenant, c'est bon. Parce que là, c'est marqué écraser, donc là, j'écrase, c'est ça. Ah, faut pas que je fasse nouvelle partie, ok. Mais quoi, je fais charger, du coup? Ah oui, d'accord, ok. Je vois le principe. Et ben c'est très très... C'est un petit défaut du jeu parce que ça pourrait être... C'est assez ambigu. Moi je mets nouvelle partie, je cherche le NG+, je me dis tiens, ben voilà, j'ai un... Et en fait j'efface l'autre sauvegarde. J'espère que je vais croiser un garde, juste pour le plaisir d'utiliser mon gros gun. Ah, j'ai cru voir un garde. D'accord, nouvelle partie plus. Mais là, ils l'ont pas... Ouais. Bon, bah voilà, face à... Sans c'était... oui, plein, mais en fait, faut, l'essentiel, c'est que ce soit clair. Souvent, ces nouvelles parties, c'est faux, en fait. La plupart du temps, tu gardes ta sauvegarde et t'as une nouvelle partie, continuer une partie. Parce que là, je trouve ça assez ambigu. Mais bon. J'ai failli l'effacer, pour le coup. Je trouvais ça curieux, mais... Ouais, mes nouvelles parties, en partant du coup de la sauvegarde, je m'attendais à ce qu'il y ait un NG+, parce qu'on m'a prévenu, en fait. Moi... Il y a des jeux où je trouvais ça plus clair. Bah, la couronne, on peut pas l'utiliser. Non, il y a pas l'air... Ok. Ok, bah parfait. En tout cas, d'ici la prochaine fois, j'essaierai de faire le screen dans le... Ah, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute ça pour chaque scène. C'est un peu chiant, mais c'est jouable. Rajouter un petit screen, un full screen, un full cam avec un petit truc de jeu quand il se passe pas grand chose. Ce serait une petite amélioration encore. Et puis surtout, changer la place de l'écran. Petit détail, mais histoire d'être comme ça, quoi. En train de regarder le jeu, ça paraît plus logique.
Alors, bon, bah, c'était très sympa en tout cas. Alors, il y a de. Alors, il est quelle heure? Il est quelle heure? De toute façon, au pire, s'il est trop tard. Bah, une vidéo de présentation, mais déjà il y aura un speed game dessus. Ensuite, toutes les vidéos que je fais en streaming, ben, je les mets sur ma chaîne YouTube, ma chaîne de stream, j'entends, pas la chaîne principale. Et puis après, voilà. Ouais, non, il est pas 7h du mat. Il est quelle heure là? Il est 2h30. Code Veronica, oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui nous en fait là, il y a encore, on doit répondre encore à 20-25 personnes, c'est très frustrant parce qu'il y a tellement de gens, on peut pas accepter tout le monde. On aurait plus de créneaux limite. C'est ce que nous ferions. Mais ouais, c'est. Ouais. Faudrait qu'on ait encore plus de créneaux speed game, avoir du coup que beaucoup d'invités. S'il y a plein de jeux qu'on peut pas faire du coup. Mais bon. 2h13. Bon, je commencerai plutôt l'autre truc que demain. Alors, la semaine pro. Lundi, game design et équilibrage de DOC. Mercredi, Stunfest, esquisse des conférences 2015. Suite. Dans la semaine, Dust Elysian Tale. Et le jeu surprise que je vais commencer dès demain. Dès ce week-end en tout cas, le jeu surprise des 5000 abonnés. Voilà pour les streams. Là, j'ai un peu la flemme de. J'ai dit que je répondrais à la question tous les projets dans lesquels j'étais impliqué, mais. C'est. Mais alors, tu t'intéresses au speedrun de Castlevania, premier du nom, tu sais. Trouver donc des notes. Non, ceux que j'ai en tête sont pas français. Donc Castle 1, il y a Fundock, il y en a d'autres, maintenant c'est plus lequel record, mais il y a différentes personnes, mais ils sont pas nécessairement américains, mais ils sont anglophones. De toute façon, on va faire bosser ton anglais, ça reste mieux souvent de. Au moins pas forcément de parler l'anglais, mais de le lire. Et de l'écrire, enfin surtout de le lire pour faire du speedrun. Ça va être. Ça peut être très pratique. T'en as sur test vidéo, sur speed demo. Ou tu vas directement sur Twitch, normalement, tu tapes. Speedrun Castle, tu vas trouver des gens qui run et tu vas voir, même si c'est pas eux qui ont le record, ils expliquent volontiers les différentes techniques. C'est un sacré Twitch. Bah, c'est ça le prochain Dust. C'est celui que je fais du coup. Dust. Après, j'en ai d'autres, mais c'est pas pour tout de suite. Enfin, voilà pour les prochains trucs. Que je vais faire. Voilà. Ouais, je vais arrêter là, moi. Ah. Mais sinon, oui, le Resident Evil, le code Veronica. Moi, c'est un de mes préférés. Ça m'intéresse, tout à fait. Hmm.
Ouais, une verveine au lit. Bah, le truc, c'est que j'ai bu un café pour me rebooster un moment. Ça va, il y aura le side effect du café qui va arriver au moment où je vais vouloir m'endormir. Je vais me mater un petit film, je vais voir. Bon, bah en tout cas, je vous dis à ce week-end. Même à demain. Ah, si j'arrive à streamer même demain après-midi, parce que je préfère streamer l'après-midi, ça peut paraître paradoxal, parce que là, c'est plusieurs fois que je stream le soir. C'est plus simple en termes d'orga avec les gens. Mais c'est vrai que la journée, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. D'autant que je tourne pas ce week-end, donc je peux avancer le stream, les jeux de speed game. Et ben voilà, c'est un plaisir en tout cas. Je... Puzzle Ending, voilà, cool. Il y a des petits moments. Ça. Des petits moments de fragilité où ça a failli se transformer en scandale, mais tout a été esquivé avec brio. On souffle, on prend un café, on fait une pause. Et la musique, quand même, et la DA y contribuent. Enfin, c'est très calme, très peace. Super expérience que je recommande du coup aux gens. Je sais pas combien je l'ai pris, je crois que je l'ai sur Steam, je crois que c'est 15€, je sais pas. J'ai pas regardé, je me rappelle pas. Bah, en tout cas. Le nom du jeu en avant-première. On est vendredi soir là, c'est ça? Ok. Moi si vous voulez. Le nom. Alors normalement. Il y a deux jeux, parce qu'il y a un jeu, il y a un jeu surprise très très long, mais qu'il y a eu un souci du côté de JVC, il y a eu. Un léger dysfonctionnement, on s'est pas compris sur un truc, donc on est obligé de re-uploader, enfin bon, un léger problème sans suite grave, mais du coup ça a décalé notre programme, nous on a inversé des épisodes en termes de diffusion. Et demain, comme seul indice, je dirais que c'est un jeu. C'est un jeu sur lequel j'ai fait un scandale pour cent pas terminé. Et je le terminerai quand j'aurai le temps. Putain, ouais, il me reste plus qu'une ou deux sessions sur le jeu et c'est fini. Hein. C'est juste que... En plus, j'ai pas fait l'habillage pour le jeu en question. Faudrait que je le refasse pour qu'il soit comme celui-là, au moins. Voilà. Ok, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un petit moment de soirée cool. De nuit. Mais je pense que j'aime bien. N'hésitez pas à faire des retours aussi en message si vous avez des suggestions par rapport au format, en termes de rythme, d'intonation, d'habillage, des choses pour que le stream se perfectionne. Là, je suis plutôt content des habillages qu'on m'a fait et du coup de la manière dont je les ai disposés. Il reste quelques scènes peut-être supplémentaires, si vous, bon, une scène full screen, ce genre de truc. Mais j'aime bien les tons. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. Je souhaite une bonne fin de nuit. Je vous mets l'écran évidemment. L'écran de fin. Je vous dis à la prochaine. Et oui, c'est peut-être Lost Level, tout à fait. Un Twitter pour annoncer les streams. Bah certes, mais je le mets en début et en fin de stream. Et sur mes pauses, sur mes écrans de pause, mais je fais très peu de pauses. Mais c'est vrai que j'avais fait le choix. En fait, comprenez ma problématique, elle est très simple, c'est qu'à la fois, par souci de visibilité, un souci communicationnel, c'est bien de mettre en permanence le Facebook, le Twitter, surtout quand on a des aussi jolies icônes que les miennes, parce qu'elles ont été faites spécialement et elles sont sympas. Le problème, c'est que ça fait beaucoup d'infos, puis moi, je suis quelqu'un, j'aime bien quand c'est épuré, et donc du coup, ben, je sacrifie un peu de communication pour avoir un truc plus dépouillé. J'aime pas avoir en permanence me rappeler que j'ai un YouTube, un Twitter, un Facebook et un Twitch. Donc je préfère le mettre simplement en intro, en pause et en fin. Voilà, c'est moins intrusif, peut-être moins efficace, mais bon. De toute façon, tout est au nom de Cœur de Vandal, sauf le Twitch qui est CDVNS Blog. Et effectivement, de toute façon, je fais toujours des annonces
De toute façon, vous pouvez vous abonner directement sur Twitch, comme ça, vous normalement, vous recevez un mail. Je crois que c'est le fonctionnement. Je crois, du moins. Et sinon... je vous conseillerais quand même plutôt le Twitter que le Facebook. Enfin, si vous devez en choisir qu'un, parce que le Facebook, avec leur politique assez dégueulasse, des fanpages, en fait, il n'y a qu'une partie des gens qui s'abonnent, donc des fans potentiels qui reçoivent la news. C'est donc pas terrible. C'est une politique très contestable. Mais donc... Et de toute façon, sur la page, normalement, il y a un petit rappel, hein, normalement. Théoriquement. Ah, on peut faire aussi, d'ailleurs, ça me fait penser un petit... Ah, je peux pas. Je vais être obligé de couper la musique si je fais ça, mais... On pourrait faire un petit raid s'il y a un pote. J'y pense jamais d'habitude. Ok. On va faire un petit raid, mais ça m'oblige à relancer ça. Attention. Quouish, effet spécial. Parce qu'en fait, je suis obligé de couper la musique comme vous le savez. Donc là, je mets Twitch, j'y retourne. Sur mon ordi, je peux pas lancer Twitch parce que sinon, il me capte pas le chat. Il veut comme ça le même nom. J'ai un petit souci sur ce PC. Donc, on va regarder parmi les gens que je suis. Ça, c'est vraiment la blagounette. Ah non, c'est bon. Ah, c'est très rigolo. On va aller chercher Isangwen. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix, du coup. Tiens, je vais. Il y a des spectateurs. Alors, je vais vous en donner deux. Allez, du Persona 4, c'est rigolo. Je vais vous envoyer. Un petit peu tard. Je vais vous envoyer chez l'ami Isangwen. Et on va dire que le... Vous pouvez mettre un traditionnel. C'est scandaleux. Si vous voulez. Je vous remets la musique. Voilà. On va faire un petit raid à la mise en Gwen. La mise en Gwen. Et puis, mettez des bisous. Vous mettez des bisous, c'est scandaleux. C'est scandaleux, des bisous, comme vous voulez. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de nuit. Salut. Ah, il arrête, il zangue. Ah, c'est... Il est offline. Ah, c'est pas de bol, on est synchro. Bon, je vais vous donner une autre personne à raider. C'est pas grave. Je retape Twitch. Ah, c'est juste une mauvaise coïncidence, ça arrive. Je vais vous en mettre un autre alors. Vous allez faire un petit coucou. Alors, ça a marché ce coup-ci. J'arrête. Effectivement, suis 3, c'est vraiment au moment où je le raid. C'est vraiment au moment où je le raid, c'est très très drôle. Il reprend apparemment, il faut savoir. Ah non, c'est pas très grave, donc on va faire ça. Si vous... Il y a un jeu que je streamerai peut-être, vous me direz si ça vaut le coup. Voilà, c'est Momcard, et là ils font pas du DOC. Un truc comme ça, c'est Momcard, là ils sont en train de streamer du X, voir un peu ce que vaut ce jeu. Et ben voilà, c'est scandaleux, des bisous au passage. Voilà, vous pouvez aller regarder le jeu X, c'est un autre TCG, enfin un autre jeu de cartes de stratégie. Peut-être que je verrai si le jeu est bien, peut-être que je vais peut-être même aller regarder ce qu'ils font. Ils présentent le jeu en gros. Voilà.
Voilà, petit raid sur les mômes cardiens. Faites-leur des bisous, découvrez X. Bonne nuit à vous. Salut.